Et si j'étais. Attendez que je ferme les feux. C'est 57%, 37%. AUD4. Donc, on va rester ici. Je vais m'arranger pour m'abstenir sans prendre de position. On va voir aujourd'hui est-ce que je vais prendre des positions ou pas. Parce que souvent, je dis je prends des positions. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets la langue d'abord française. Française. Je vous ai dit, dans la formation, c'est simple. Vous avez déjà une bonne base. Et comment dirais-je? C'est le temps qu'il vous faut. Oui. Et s'il vous faut le temps, cela revient à dire qu'il vous faut de la patience. Parce que sans patience, vraiment, c'est pas facile, ça va être un long chemin. Ensemble ici, quand vous êtes sur la plateforme d'hier, je vais revenir un peu sur certains principes, c'est de développer un peu la patience. On voit ici que le marché a fait quoi? On remarque ici, on doit se poser des questions. D'où vient le marché? C'est simple. D'où vient le marché? D'accord? On utilise directement nos lignes, deux lignes directement. On prend les deux lignes, on augmente le PCR. Simplement, hein, les amis. On va augmenter ici le PCR. Parce que le marché, c'est pas grave. On va venir mettre sur le pic qui est plus haut ici. C'est ce qu'on voit. Et on vient mettre sur le pic qui est plus bas ici. De manière horizontale, on a déjà canalisé le marché. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que le marché est en train de faire maintenant? À l'heure, on voit que le marché est en train de faire quand même un mouvement à la baisse. Mais avec ce qu'on la manière dont on a canalisé le marché là, est-ce que vous pouvez me dire quel est le type de tendance qui est là actuellement? Oh, je dirais qu'on a une tendance baissière. Non, c'est des réflexions. D'accord. Cela revient à dire que si nous avons une tendance baissière, nous devons prendre la position comment? Les positions de vente. Mais maintenant, à quel moment on doit prendre la position? D'abord, on va canaliser le marché, d'accord? Oui. On a quitté ici d'abord. Voilà. On a utilisé les deux lignes. On a vu. Parce que là, je vous ai dit, le point zéro où il a commencé ici, il n'est pas encore venu casser. C'est quand il va casser, on est là. OK, nous sommes maintenant dans une tendance haussière. Est-ce que ici, là, vous avez compris? Oui. D'accord. Avant qu'on arrive sur ce qui s'est passé ici, après ici, on va jouer un peu avec la petite tendance, la tendance baissière qui s'est formée ici pour venir faire le point qui était là plus bas. On va prendre ici cet indicateur, tout simplement, ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est un rappel pour vous, monsieur André. Oui. Je mets mon pic ici direct, d'accord? Et je viens ici, je prends ici mon pic là. Parti d'ici. Vous voyez, j'ai un pic ici. Je prends un autre pic ici, c'est-à-dire un autre pic. C'est-à-dire quand le marché est venu à la baisse, il a fait quoi? Il a fait une petite correction. Mais c'est tout ça là qui est une grande phase de pulsion. Dans la grande phase de pulsion, il peut y avoir des petites phases de correction. D'accord? Oui. OK. Ici, on va copier, tout simplement. J'aime bien cette plateforme parce que ici, bon, c'est un peu rapide, quoi. Le marché a quitté où? Il a quitté ce point. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? J'espère qu'ils vont me donner l'occasion de pouvoir travailler ici. Il a fait. Attendez que je déplace ça. D'accord. Il a quitté ici et on a un point à partir d'ici. D'accord. On a un point qu'on a tracé ici. OK? Oui. Ne regardez pas parce que le marché est sorti ici. D'accord, on va venir mettre ici. Hein. Regardez d'abord qu'est-ce qu'il a fait. On peut faire comme ça, c'est la grande tendance. Mais ici, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un point. Il a évolué comme ça. À la hausse. Il a fait pulsion, correction,
pulsion et cassu pull back. Oui. Pulsion pull back. Pulsion, il est rentré dans sa tendance. Formation. Lorsque le marché sort, il revient dans la tendance. C'est fort probable qu'il va casser l'autre niveau. C'est passé. Ici, c'est un niveau où le marché est venu. C'est un niveau. Oui. C'est un niveau. Donc, le marché est en train de faire quoi? Rebooster le marché par là, la hausse. On va venir ici 15 minutes pour voir les niveaux qui sont là. Oui, il y a un niveau derrière. Il y a un niveau derrière, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici, comment dirais-je? On voit tout simplement que le marché a fait ce genre de truc. Il est quitté dans cette tendance, d'accord? Donc, on considère cette petite zone-là parce que c'est déjà le passé. Et puis, on considère maintenant ce qui s'est passé là. La grande tendance qui s'est formée. Sans négliger ce qui s'était passé à l'intérieur. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a besoin de canaliser maintenant notre marché. On va prendre notre instrument. Tout simplement, où le marché s'est arrêté, on met ici notre pic. Il a fait quoi? Il a fait une grande pulsion après une correction sur le niveau qui était ici. Tout simplement, on canalise notre marché comme ça. À chaque moment, avant d'arriver, qu'est-ce que le marché est en train de faire? Je m'arrange à essayer de canaliser le marché comme ça pour essayer de comprendre où il va. Je copie tout simplement cet instrument-là. Où il est quitté? Il a quitté ce point qui est ici là pour venir là. Mm-hmm. Pour venir faire un autre pic ici. Tout simplement, je copie, je mets ici le premier point à partir d'ici. Et je vais mettre le deuxième point à partir de là. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ici une pulsion, phase de correction, pulsion, phase de correction. Et à partir d'ici, on voit que le marché, en considérant la théorie, on a quoi? Une phase de pulsion, une phase de correction, deuxième phase de correction, troisième phase de pulsion. D'accord? Mmh. En regardant la théorie des vagues d'Elliott, on voit que la théorie des vagues d'Elliott est respectée. D'accord? Oui. La théorie de Charles Dossier est respectée. Mais en canalisant le marché, on a une question qu'on se pose toujours. Pourquoi le marché n'est pas venu se renouveler sur notre point de canal? Mm-hmm. Ça nous donne une nuance. Une nuance, disons. On copie ce niveau-là qu'elle a. On vient tout simplement, on met ici directement où il s'est arrêté une fois. Monsieur André, vous vous rappelez? Très bien. À partir de cette petite nuance-là, pourquoi il n'est pas venu se renouveler? Parce qu'il a quitté un point, deux points. Troisième point, vous vendez. OK, on a fini avec lui. Un premier point, un deuxième point, troisième point, vous achetez. Vous avez déjà rentabilisé. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez d'abord la tendance, tout simplement. Mmh. Et si on voit que le marché n'est pas venu se renouveler, en temps normal, il devait venir se renouveler d'abord sur notre canal. Oui. Parce que nous tradons le canal. On trade le niveau. S'il n'est pas venu, cela veut dire qu'il est en train de s'apprêter à faire quoi? Une cassure. Et regardez comment il est resté sur ce niveau. Il est en train de faire quoi? Des signaux de toupie. Mmh. Vous comprenez? Oui. Et il est sorti de notre petit canal qu'on a tracé. Vous avez posé la question, vous ne savez pas comment jouer avec les inversements et les tendances. C'est comme ça le marché sort de sa tendance. C'est comme ça il sort de sa tendance. Soit il n'a pas respecté une théorie, le niveau ne s'est pas renouvelé. Ou soit par rapport au canal, il n'est pas venu se remuer. Donc, vous ne prenez pas de position. Vous espérez que le marché fasse quoi? Il fasse une cassure, soit vous tradez la cassure et vous attendez quoi? Le pullback à partir d'ici. Regardez ce qui se passe. Quand il casse, vous attendez où il s'est arrêté. Vous le vendez tout simplement. Oui. Vous comprenez? Oui. Et quand vous venez en arrière, vous voyez qu'il y a un petit niveau qui coïncide avec là où s'est arrêté. La mèche est là. Moi, il y a un petit niveau qui est là, qui s'arrête. On vient en arrière. Il y a un petit niveau qui est là. OK? Oui. Ça, c'est un niveau vendeur. C'est-à-dire les vendeurs ont cassé ce niveau. Donc, c'est une position de vendeur. D'accord? Voilà. On voit que le marché est sorti, lui. Mais à partir d'ici, qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire encore un arrêt à partir de là. Par rapport à ce niveau qui est ici, il vient faire un arrêt. Donc, on copie tout simplement notre indicateur,
notre instrument. On est meilleur. Baptisé, premier point, deuxième point. Allez, le cuisson de ma soirée. Regardez, le premier point, deuxième point. Le premier point ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté ici, il est venu là. Il est venu faire un premier point ici, il est venu faire un deuxième point. Et c'est bien vrai qu'il est sorti, mais ce n'est pas un problème. Parce que le niveau, c'est une zone. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il vient faire encore? Il vient faire un quoi? Un premier point, deuxième point, il vient faire un troisième point. Vous achetez. On est toujours dans un corridor. Après, il vient faire quoi? Un troisième point ici. Vous le vendez encore. Et à partir de là, qu'est-ce que le marché fait? Faites attention parce qu'il ne vient pas ici. Quand vous le voyez repartir, vous ne devez pas le vendre. En tant que moment, pour pouvoir le vendre, il faudrait que le canal que vous avez tracé, il doit venir faire contact dans le canal. Et il ressort un peu, il vient faire quoi? On va mettre un petit niveau ici, tout simplement pour voir. Au fait, tout ça, c'est une zone de résistance. Donc, c'est le temps, c'est avec le temps que vous allez jouer un peu. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il sort un peu à partir d'ici et il évolue. Mais là, comment vous devez trader? Vous devez trader votre troisième point, quel que soit le canal qui se présente. À partir d'ici, qu'est-ce qu'on a? Premier point, si on considère ici, d'accord? On va considérer ça. D'accord? À partir d'ici. OK. Je considère ici la mèche qui est là. Premier point, deuxième, premier point de part et d'autre. Premier point ici, c'est le marché a quitté ici pour venir à la hausse. On a le premier point. Il est venu à la baisse ici. On a le deuxième point. Il a notre deuxième point ici aussi. D'accord? Alors, je vais mettre le point ici. D'accord? OK. Le troisième point, j'achète tout simplement. Je rentabilise. Le troisième point ici, je vends ici. C'est fini. Vous laissez le marché. Il sort. Il vient faire quoi? Un pullback. Vous voyez le pullback, vous vendez. Il revient encore et vous voyez le pot bas, vous le vendez. Il s'arrête ici parce que vous avez déjà tracé votre niveau depuis longtemps. Parce que quand vous êtes venu, vous avez tracé les deux lignes pour orienter le marché. Nous sommes dans quelle tendance pour le moment? Dans une tendance baissière. Après, qu'est-ce que le marché fait? On voit qu'il revient dans le canal. OK, moi, je trade les canaux et puis je fais quoi? Je trade ici mes petits points d'entrée. J'ai un premier point ici. Oui, c'est arrêté. Un premier point encore sur la ligne de support. D'accord? Il évolue, il vient toucher ici. J'ai un deuxième point sur la ligne de résistance. Ensuite, j'ai quoi ici? J'ai tout simplement un deuxième point sur la ligne de support. Je l'attends ici, je le vends, je l'achète ici. Mais il y a une nuance là. Donc, la nuance encore vous donne un signal. Mais ne soyez pas pressé. Laissez soit il fait la cassure, soit si vous maîtrisez les cassures, vous traitez les cassures, vous attendez le pullback, vous vendez. Il vous fait un premier point ici, un deuxième point là. D'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On attend sur le troisième point, tout simplement. Il vous fait un premier point ici. Parce que tout ça, je considère comme le premier point. Il vient vous faire encore un deuxième point là. OK. Donc, le marché a déjà montré qu'il y a un corridor. À partir de là, vous achetez. Je vais toucher ici la ligne. À partir d'ici, vous achetez. Et il vient et touche. Ça vous fait une bougie de. Si vous achetez 15 minutes, vous êtes en plus parce qu'après, il vient faire quoi? Des doji, trucs. Mais c'est même pas là le problème. Par rapport au temps, ce n'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que vous tradez réellement? Après, qu'est-ce qu'il fait? Il évolue, il vient ici, vous le vendez. Ça vous fait deux points. Vous quittez tout ce qui est comme nuance. Donc, c'est une tendance. C'est-à-dire qu'on a quitté une tendance baissière pour aller dans une tendance haussière. Et puis, on est venu dans un corridor. Vous avez deux points de part et d'autre. Si vous tradez encore le pullback, ça vous fait d'abord un point, deux points d'entrée rentable. 1.2 points, ça vous fait 4 points d'entrée rentable. Ça vous fait encore ici combien? 1.2 points, ça vous fait 6 points rentables. Ensuite, ça vous fait 1.2 points, ça vous fait 8 points rentables. Si vous tradez 10 $ par jour, repérez le canal, appliquez les deux théories de Charles Dow et la théorie de vagues de l'eau associée et votre instrument de ligne de tendance, vous n'avez plus besoin d'indicateurs. La seule chose que vous avez besoin, c'est de votre patience. Expliquer n'est pas logique. Ouais, c'est bon. C'est simple. Même si on sait que c'est un peu difficile à appliquer parce que vous devez être beaucoup patient. Vous devez être très patient. Surtout, vous devez chercher la patience ici. Voilà, c'est un peu l'explication que je voulais vous donner. Celui qui maîtrise ça,
celui qui maîtrise le changement de tendance, qui traite le troisième point, il va éviter beaucoup de nuances. Oui. D'accord. Parce que vous tradez deux points seulement. Après le premier point, deuxième point, vous tradez le troisième point de toucher de paradoxe. Ce qui fait que ça vous permet d'éviter ce genre de trucs. Parce que là, le marché, il va le, d'abord même, je vous ai dit qu'il faut maîtriser la psychologie de chaque bougie. Regardez comment la bougie vient sur le trou. Mais d'abord, même, avant même de maîtriser la psychologie de chaque bougie, si vous tradez deux points dans un canal, c'est fini. Vous savez que vous n'avez rien à foutre encore ici sur le marché. Associez encore la psychologie de la bougie, si vous devez prendre encore une position, vous allez dire non, j'ai vu que le marché est agressif sur ce niveau, je dois faire attention. Il sort, vous êtes serein, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Je l'attends. Et si on vient en arrière, on va voir qu'il y a un niveau. Ce n'est pas arrêté par hasard, voici le niveau qui est ici. Où est le guichet de ma souris? La ligne blanche. C'est lui. Voilà, attendez que je mette un petit niveau là. Vous voyez? Ce n'est pas arrêté par hasard. Donc, quand il s'arrête, qu'est-ce qu'il fait? Il fait encore un retournement pour une fois, un semblant de pullback. Vous le vendez tout simplement 15, vous allez rentabiliser. Mm. C'est simple. Ensuite, vous le laissez, il revient encore ici, il vient faire quoi? Un semblant de pullback. Regardez l'approche. Pour savoir si un pullback va fonctionner, regardez comment le marché d'abord s'approche sur le niveau. Regardez ici, il fait quoi? Des petites bougies avec des bougies, des mèches. Vous le vendez. Regardez son approche ici. Il vient avec quoi? Une bougie avec un grand coin, mais aussi une mèche considérable. Et là, qu'est-ce qu'il fait ici encore? Il fait un doji. Il fait un doji. Mais regardez ce qui se passe. Quand il est confiant, il sait qu'il va casser le niveau. Regardez là. Vous voyez un peu? Où est la bougie qui s'est formée ici? Oui. Là, c'est... Vous devez être patient pour appliquer tout cela. C'est un peu touffu. Si quelqu'un vient voir un peu le graphique comme ça, il ne va rien comprendre. Mais il ne sait pas d'où on est quitté. Comme ça, à partir d'ici, vous allez savoir qu'est-ce que le marché est en train de faire. On va s'inspirer. Nous sommes tous dans un corridor. Il cherche à faire quoi? À casser le corridor, tout simplement. On a un pic ici. On a un autre pic ici. Si on doit le prendre, où on doit le prendre? On va attendre le troisième point. Le troisième point est piqué pour l'acheter. Si on l'a payé, on le laisse. Il casse, il vient faire un pullback, on l'achète. Et ça nous permet encore d'avoir quoi? Parce que le marché a quitté où? Ici. On dit quoi? La théorie de Charles Donne dit qu'il faut avoir des pics de plus en plus haut dans une tendance haussière. D'accord? Oui. Nous avons un pic ici d'abord. Le corridor. On voit que le marché est en train de faire un mouvement comme ça. On a un pic ici. On a encore un pic ici. D'accord? On a un pic. Oui. Plus bas encore ici. Et le suivant est plus haut par rapport au précédent, d'accord? On a déjà canalisé. Mm-hmm. Tout simplement, on copie notre ligne, on vient, on dépose ici. Et puis, on espère, on attend. On est encore en train de former encore une tendance ici. Oui. Bon, maintenant, il peut arriver que le marché fasse quoi? Il peut nous fausser. Mm-hmm. Le marché peut nous fausser, peut-être casser. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez, il vient de faire quoi d'abord? Il doit venir toujours près d'un niveau d'abord avant de lâcher. Oui. Tout simplement. Mais quand vous tradez avec un principe, c'est fini. Vous allez mieux vous en sortir. Mmh. Ça peut aller? Oui. Oui. Voilà. Vous avez des questions. J'espère que j'ai expliqué. Je suis revenu un peu là-dessus. C'est bien vrai que le marché a déjà tout fait. Mais quand vous maîtrisez, comment dirais-je, vous canalisez votre marché, vous avez les théories en tête. Soit vous écrivez cette théorie-là sur une feuille, vous lisez, vous essayez de voir est-ce que c'est forcé pas. Ne dites pas que c'est forcément la théorie là, qui est là. Honnêtement, vous savez que souvent, c'est même pas la théorie, mais vous tradez quand même. D'accord? Ouais. Donc, trader, c'est-à-dire repérer le premier point, le deuxième point. Après, là, si on doit corriger la grande tendance là, tout simplement, on va la corriger. On va considérer la tendance là comme ça. D'accord? On va considérer la tendance là comme ça. On va considérer la grande tendance comme ça, à cette tendance et l'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite tendance tracée. Vous allez comprendre. Ah, d'accord. OK, le marché est sorti. OK, pullback, j'attends. Ah, comment il s'est rapproché? D'accord, je l'attends. Ah, OK. À partir d'ici, on voit qu'il est venu toucher quoi? Un niveau encore. On voit que le marché, à partir d'ici, il a bougé. Si je vais encore fort en arrière,
On va venir ici 15 minutes pour mieux voir. On voit que le marché a fait quoi? Il a encore déjà fait des arrêts ici. D'accord? Donc, nous sommes dans un niveau ici à chute. Ok, tout simplement, je reviens ici 5 minutes. Qu'est-ce que j'observe? Je vois ici que ah, le marché, je vois. Vous voyez ma plateforme? Oui. Oui. Je vois tout simplement que le marché a fait quoi? Je vais corriger ici. Il est en train d'évoluer, il est en train d'évoluer ici. Et son approche par rapport à ce petit canal-là, il va traverser ça. D'accord, ok, je prends une position. On évolue. Combien soit on attend? On nous fait un point, deux points. Vous le vendez. Tout simplement. Mm. On va observer ici. Regardez l'approche que le marché est en train d'avoir sur notre troisième. On doit faire quoi? On achète ou on vend? Je dirais qu'on doit patienter d'abord. On doit patienter. Il peut se casser. Il oui. Peut casser. Oui, parce qu'il peut, il peut sortir en fait. Voilà. Vous voyez son approche. Pour moi, j'ai dit, il allait faire attention pour ne pas prendre de position. Moi, je vais vendre. Waouh. Vous comprenez? Il peut, me mettre en, il, peut, oui. il peut nous mettre en plus, maman. Mais regardez comment il se rapproche de ce niveau. Vous comprenez? Oui. Et puis regardez. La question, pourquoi vous avez vendu, c'est parce que la dernière impulsion n'a pas atteint le niveau plus haut. Il n'a pas atteint d'abord le niveau plus haut, mais son approche même, déjà même, il vient avec une certaine oui. confiance. Il tombe des bougies complètes. C'est comme un camion sur une descente sans frein. Oui, mais monsieur, est-ce que au niveau, un peu plus haut, au niveau de, comment on appelle? Ici? Voilà. Est-ce que là, en fait, on peut, parce qu'en principe, là, la figure qu'il a formée, c'est un arami baissier. Donc, en fait, on pourrait également se baser sur ça pour prendre la position à la baisse. Ouais, on pourrait se baser sur ça aussi pour pouvoir vendre. Mais il y a beaucoup de choses. Vu qu'on a dit que sur le niveau, on devait attendre d'abord comment il allait clôturer avant de vendre, je vous ai posé la question de savoir. On achète ou on vend? Vous avez dit qu'on patiente. C'est la meilleure des réponses que vous avez données. Mm-hmm. Parce qu'il peut... Bon, maintenant, la position que moi j'ai prise, c'est une position risquée. Oui. J'ai pris à la vente. Entendez-moi, on sait que sur la ligne de support, on doit faire quoi? On doit acheter. Mm-hmm. Une autre vente. Donc, c'est un peu ça. Avec l'expérience, vous allez comprendre quand il faut acheter, quand il faut vendre, quand il ne faut pas rentrer. Oui, donc, ce qu'on fait, à quel moment prendre en compte la psychologie des bougies ou pas? Je vous ai dit que, regardez d'abord, on va compter les bougies, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bougies, ça nous fait 80 bougies, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. D'abord, 8 bougies pour venir sur ce niveau qui est là, d'accord? On voit que le marché a fait quoi? Il a fait un mouvement ici, ok? L'objectif du marché, s'il casse, il va venir où? Il doit venir chercher un niveau, peut-être ce niveau qui est ici, ou soit ce niveau qu'on ne voit plus pas. Oui. D'accord? Oui. Et il nous reste d'abord environ quelques minutes. Par rapport à son approche sur le niveau qui est là, peut-être le temps peut nous faire un peu de défaut, il y a cette possibilité. Mais par rapport à son approche, on a vu la cassure directe. Oui. Par rapport à son approche. Donc, si le marché peut-être vous met en moins, peut-être il a fait un retournement, peut-être la correction, un truc de ce genre, vous comprenez. D'où il est préférable de ne pas prendre de position dans ce genre de cas. Oui. Vous comprenez. Qu'est-ce qu'il disait? Il va faire une position, peut-être une petite correction de 5 minutes, ou même soit continuer à la baisse. Il est déjà 23h35 ici. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Le mieux, quand vous voyez une pulsion, une forte pulsion, les amis, si vous n'arrivez pas à vous arrêter, mettez une bouteille d'eau glacée à côté de vous, buvez, ça va vous calmer. Comme ça, vous n'allez pas prendre de pulsion. Ici, je vais faire encore une analyse. Parce que quoi? La bougie, là, elle a avalé une, deux, trois. Et puis la clôture en dessous. Donc, on peut espérer que le marché va nous mettre en plus. C'est 15 minutes, on observe. Oui. On observe tout simplement. Donc, posez-moi différentes questions, on va regarder tout simplement. On va regarder.
répondre, tu vas répondre. Tu vas chercher le coup de bas. Posez la question, ne vous inquiétez pas. Ne regardez pas ce que j'ai pris une position. À quel moment on doit considérer, en fait, par exemple, tout à l'heure, vous venez de compter les bougies précédentes et vous avez compris que la bougie rouge, là, d'accord, elle les a toutes englobées, donc elle va nous mettre en plus. J'ai déjà dit que c'est pas probable que le machin nous mette en plus. Oui. D'accord, c'est pas probable. Mais ça dépend parce que je sais que quand la bougie va clôturer, la suivante, soit elle continue ou soit elle vient chercher quoi, le niveau qu'elle a. C'est deux choses. Oui. Si c'est pas plus, c'est moins. Donc, ça, vous devez vous mettre en tête. Comme ça, quand vous voyez un point direct, vous rentrez. Il a posé la question quand la bougie était ici. Oui. D'accord. Bon, maintenant, quand vous savez que soit c'est plus ou moins, c'est moins, hein, vous ne réfléchissez pas trop. Quand vous voyez le signal net, vous prenez votre position. Parce que le temps de réflexion que vous êtes en train de prendre, parce que 15 secondes, une seconde, une milliseconde dans le trading, ça compte. C'est très, très important. C'est très, très important. Ici, on va voir comme M. André avait dit tout à l'heure. On a un pic ici, c'est-à-dire on a un pic ici, on a un autre pic ici encore. Si on essaie de tracer une petite ligne, on va voir ce que le marché a fait. Même si le marché peut-être va partir à l'encontre de notre position, il va s'arrêter à un certain niveau. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Ce qu'il voulait tracer, vous voyez mon écran? Oui, oui. D'accord. Ce que vous voulez tracer, ne vous inquiétez pas. Ça arrive parfois. C'est le principe qu'il faut maîtriser. Vous voyez, je voulais mettre sur un point ici, d'accord? Oui. Un point ici. Oh, c'est quoi ça? D'accord. Je voulais mettre d'abord un point ici. Oh, je vais relancer la page là. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'indicateur qui est ici d'abord. On va prendre cet indicateur. Je ne vois pas. Je n'arrive pas à manœuvrer l'indicateur. Bon, je vais utiliser Trendline pour voir. D'accord, on a ici un premier point, un deuxième point ici. Vous voyez? Oui. Ce que je voulais vous montrer. Oui. On voit qu'on a un point ici, on a un autre point ici. Vous voyez que ça vient coïncider là? Oui. Quand le marché est monté. Oui. Donc, c'est là qu'on allait l'attendre. Il a fait quoi? Mm-hmm. Il a fait un triangle. Buisson. Si on considère cette oui. ligne. Il est sorti. Et il va continuer jusqu'à la baisse ici. Mm-hmm. Voilà pourquoi 15 minutes est très, très important, les amis. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. Non. Pour moi. Bah, à partir d'ici, encore, qu'est-ce qu'il va faire? On a un pic ici qui a permis de marcher dans la hausse. Il est venu à la baisse. Donc, on va copier tout simplement ce point-là. On va venir le mettre tout ça. On veut le mettre ici. On l'attend encore ici. Oui. L'objectif statique et l'objectif dynamique vont coïncider. Par rapport à son approche, on va faire quoi? On va l'acheter doucement. Oui. Ça va? Oui, oui. Oui, oui. Vous avez des questions? Non, c'est bon. Bon, on va observer, on va voir ce qu'il va faire ici. Ok, d'accord. En attendant, on le regarde. C'est là, il faut rester patient parce que beaucoup de personnes n'aiment pas rester patient sur le marché. Ils disent que, bon, ok, mon objectif, c'est de faire bon, 100 dollars, 1500 dollars. D'accord, donnez-vous le temps de 1500 dollars. Parce que pour qu'il arrive ici, vous avez déjà mis l'objectif statique ici. Le marché, il va se balader, il va faire au moins 35 minutes avant de venir ici. Ou mais il peut faire 10 minutes ou même 5 minutes pour venir ici. Ce n'est pas un problème. Attendez. Bon, ok, on va considérer aussi ce qui est plus bas. Parce qu'il peut venir encore plus bas. Ce n'est pas un problème. Si ici vous a faussé par rapport à l'approche, faites attention par rapport à la. Là, on vous parle maintenant de rattrapage.
si vous avez mis 10 dollars ici, à partir d'ici, vous mettez 20 dollars pour pouvoir vous rattraper par rapport à votre investissement. La logique prime sur tout. La pratique, maintenant, là, vient confirmer ou même soit vous permet de pouvoir, comment dirais-je, engrainer cette logique-là. Oui. On a pris une position de cassus, d'accord? Oui. La position de cassus, si on l'a pris sur cette bougie, le marché est venu faire quoi? Il pourrait nous mettre en moins, d'accord? Mais on l'attendait plus haut. C'est ce que je voulais vous montrer. Parce que le marché a fait quoi? Un point, deux points. On l'attend sur le troisième point. Et regardez encore comment il coïncide. L'objectif statique coïncide avec quoi? L'objectif dynamique. La ligne horizontale et la ligne oblique coïncident. On va le vendre. Oui. Ça allait peut-être, mais ça allait me faire encore deux positions en plus parce que j'attendais même, je cherchais à ce point-là, mais vu que ça a ralenti un peu. C'était pour vous expliquer un peu comment on peut faire, on peut trader juste sur une seule paire, d'accord? Mais si vous savez que vraiment, attendre tout sur longtemps, là, parce que là, ça ouvre 24 heures, vous asseoir devant la plateforme pendant 24 heures, ça fatigue. Donc, vous partez encore sur une autre paire, par exemple, je vais prendre l'exemple de Euro-USD, OTC, vu que nous sommes sur le OTC, d'accord? Ce qu'il est en train de faire, si ce n'est pas intéressant, oui. On le laisse, d'accord? On trace ici d'abord notre premier point ici. Je fais un résumé. Notre point ici rapidement, d'accord? OK, qu'est-ce qu'il fait encore? Le pic plus bas, on le trace ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons quelle tendance ici? On voit que nous avons ici, OK, tendance baissière ici, à partir d'ici, tendance haussière. Le marché est en train de faire quoi? Un rebond. Son objectif, c'est d'aller haut. C'est d'aller à la hausse, OK? On va essayer de faire quoi? De canaliser notre marché par rapport à ici. On va canaliser notre marché. Regardez l'approche. Le marché a fait quoi? Une bougie presque pleine. Donc, la bougie suivante va être une bougie. Si vous tradez les bougies, vous pouvez trader comme ça. Mais le mieux, c'est de trader le mouvement et puis surtout près des points d'entrée. Bien fait. Il va se balader. Son objectif, c'est devenu plus bas. Donc, plus vous déterminez vos objectifs par rapport au niveau précédent, plus c'est encore rentable pour vous. La base qui est là, ce qui est là. Vous voyez ce que le marché entraîne. Il traîne un peu, il embrouille un peu les gens. Observez le marché, regardez-le. Vous-même dites, bon, d'accord, je pense que le marché va faire comme ça. Et puis, soyez patient, regardez ce qu'il va faire. Ce qu'on doit faire, on peut le vendre ici. Voilà, on peut le vendre ici. Mais d'accord, mais ce n'est pas quelque chose de concret, en fait. Le mieux serait préférable de l'attendre là ou là. Donc, par rapport à son approche, par rapport à son approche sur ce niveau, où vous dites d'accord, le marché vient comme ici, avec une certaine confiance. Mais le mouvement qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de nous montrer, c'est-à-dire le marché ne évolue pas de manière rectiligne. Peut-être si c'est une nouvelle, mais une nouvelle même quand il y a une pulsion, il va s'arrêter à maximum 15 minutes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire d'abord pulsion, il va venir s'arrêter ici, la phase de correction, d'accord? Ouais. Pulsion, plus bas, la phase de correction. C'est comme ça qu'il va évoluer. Bon, si vous n'avez pas de questions, les amis, on va se donner rendez-vous une prochaine fois. Oui. André, moi, je vais vous donner quelques conseils. Oui. Donnez-vous le temps de prise de position, le temps de pratique, surtout. Oui. Même si c'est 45 minutes. Donnez-vous aussi un plan. Vous allez peut-être faire 30 minutes d'analyse. Même si vous prenez une seule position, quel est gagnant, vous évoluez. Oui. Vous comprenez. Donc, donnez-vous ce petit temps là, d'apprentissage, ce petit temps de trading. Vous donnez ce temps, je crois que ça va aller. Pareil aussi pour je sais quoi. Donnez-vous ce temps de travail, d'analyse, de prise de position. Quand vous donnez ce temps, c'est-à-dire ce qui s'est passé tout à l'heure, avant de revenir, vous, est-ce que le marché est en train de... Qu'est-ce qu'on a fait ici? Oui. On doit vendre. Ouais. On a vendu pour ça. On doit acheter. Non, on va patienter. On va patienter. Vous comprenez, non? On voit que le marché a traîné un peu ici d'abord, mais il vient avec une certaine confiance. Faites attention. Oui. Voilà, il vient avec une certaine confiance. Et puis, regardez-le à laquelle... Actuellement, il nous reste une bougie de 5 minutes. Donc, il sera préférable d'attendre que la bougie de 15 minutes clôture. Et la bougie de 15 minutes est capable de venir jusqu'en bas ici. On va observer. Et puis, on va clôturer la séance d'aujourd'hui. OK.
Vous allez comprendre. La bougie de 15 000 est capable de venir jusqu'à la baisse. Donc, on patiente, les amis. On patiente simplement. Celui qui va acheter ici, même si le marché va partir à la hausse, il faudra faire attention. C'est bon. Oui. Vous voyez là, qu'est-ce qu'il vient chercher? Il vient chercher l'objectif plus grand ici. Oui. Et ce petit objectif qu'on a tracé par rapport à ici. Cela veut dire que ici, c'est un niveau mineur. On va réduire un peu. Voilà. Donc, on l'attend sur ce niveau-là qui est là, sur l'objectif statique et dynamique. C'est-à-dire, par rapport à sa clôture, on va se dire, d'accord, ok, le marché peut être dragon. Voilà. Et là, il nous donne un petit signal, on peut lâcher. Dans le cas contraire, on le laisse évoluer. Mais ne soyez pas pressé. C'est-à-dire, souvent, où le marché fait quoi? Il fait des petites mèches, il évolue, soi-disant. Laisse-le. Attendez d'abord la clôture. Comment la bougie de 5 on va clôturer? Vous allez tirer maintenant une conclusion. On met la bougie de 15 000. Lorsque on change l'unité de temps, par exemple, lorsqu'on part à 15 minutes, on se rend compte qu'on a une bougie. Bien sûr. Lorsqu'on vient sur 5 minutes, on a deux bougies. Si on part sur une minute, je pense qu'on aura des bougies rouges et des bougies vertes. Bien sûr. Dans ce cas, en fait, quel est le signal qu'on doit suivre? Suivez 5 minutes, suivez 15 minutes. Évitez une minute. D'accord. C'est le conseil que je vous donne. Évitez. Où est-ce que le marché est en train de faire? Attendez, on va venir ici. Mm-hmm. Il a un objectif encore plus bas que là. Il a encore un objectif encore ici. Là. Ici. Qui peut venir chercher? Et il était dans ce corridor, il a cassé, il est sorti, il a fait un test de ce niveau. Il est venu encore ici. Faisons attention, les amis. Même si le marché va le repousser, pendant combien de minutes? Donc, on va attendre la bougie clôture plus bas, on peut le vendre, ou soit on le laisse. Ou soit si la clôture bouge, la bougie clôture avec soi-disant un signal de Doji Dragon, on peut faire un semblant d'achat. Ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir un peu à la hausse, venir toucher le niveau qu'on a tracé ici. D'accord? Ouais. Et puis maintenant, partir bien à la baisse. Dans le cas contraire, on le laisse. Ouais. Dans ce genre de marché, c'est souhaitable d'attendre qu'il touche la ligne de résistance pour vendre ou on peut aussi acheter? Vous pouvez acheter, mais par rapport à son approche, en fait. Regardez comment il se rapproche. En temps normal, on dit d'acheter si la ligne de support, mais comment vous devez acheter par rapport à l'approche, c'est-à-dire comment le marché vient sur la ligne. Il vous a dit que la tendance baissière est très rapide par rapport à la tendance haussière. Très, très rapide. Où est-ce que le marché est en train de faire? Il vient de casser. Voilà, il est en train de casser. C'est-à-dire il peut faire une mèche et puis venir clôturer plus haut en une minute. Hein. Là, il nous a donné un signal. Dans le cas contraire, soit on le laisse. Et puis, il sera déjà une nuit ici. C'est mieux, il serait préférable de ne plus trader. Parce que ça va être l'ouverture de la bougie de 0h. Et l'ouverture de la bougie de 0h, je pense bien que ça va être une position baissière. Ça, c'est sûr. Oui, mais lorsqu'on regarde déjà, on a la configuration des trois corbeaux. Donc, ce qui nous signale, en fait, un mouvement à la baisse. Ici, c'est pattern même direct. C'est 15 minutes. Oui. Quand le marché est contre vous, vous pouvez faire des bougies à l'encontre de votre position. Dans ce principe, c'est de faire quoi? C'est de laisser et d'attendre le pullback. D'attendre d'abord qui se souffle d'abord. Mm-hmm. Vous comprenez? Qui se souffle d'abord? Bon. Les amis, on va voir l'ouverture de la bougie dans 10 secondes de la bougie d'une heure et de 0 heure, disons, heure de Moscou ici. Voilà, pulsion à la baisse. Oui. Il va partir à la baisse, ça c'est sûr. Même si je pense même pas qu'il va faire une correction. Ok, les amis, mm-hmm. on va le laisser d'abord comme ça. Oui. C'est mieux. Donc, merci bien et puis passez une excellente soirée. Au revoir, coach. Au revoir. Merci.
Merci, au revoir.